Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose le site Gwapsi. C'est un site les gars qui va vous permettre d'acheter des comptes lobby et des GTA dollars super facilement sur toutes les consoles. C'est un site 100% fiable, n'hésitez pas à les checker et tout est dans la description. Yo l'équipe c'est Fra, j'espère que vous allez bien, moi les comme d'habitude, ça fait de la forme. Je vais attirer ma pour une toute vidéo sur GTA 5 Online où vous l'avez vu, comme au début de la vidéo les gars, Rockstar nous a confirmé qu'on aurait une nouvelle île, une nouvelle extension de map, une nouvelle map, c'est incroyable. Je suis super hype, avant qu'on commence, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner les gars, partagez ça à tous vos potes, ça ferait ultra plaisir. Et n'hésitez pas à aller checker en description, là il y a un glitch duplication en 100% solo qui fonctionne super bien. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc les gars, trop content de vous annoncer que Rockstar nous a sorti un teasing sur son compte officiel Twitter. N'hésitez pas à aller checker si vous voulez vérifier qu'il y aurait bien, avec un petit teasing de 20 secondes, qu'il y aurait bien une extension de map, une nouvelle map les gars sur GTA 5 Online. J'en parlais il y a environ une semaine dans une de mes vidéos où je vous parlais qu'il y aurait des rumeurs et certaines années, ce qui présageait en tout cas une nouvelle map, une nouvelle extension de map. Et certaines personnes ne m'avaient pas cru les gars. Ben voilà, la simple réponse c'est que maintenant Rockstar l'officialise. Donc là les gars, il n'y a plus de soucis de choses puisque les gars c'est officiel. Je suis super content de vous le présenter. Le teasing, ben, vous l'avez vu au début de la vidéo et on va essayer de l'analyser rapidement dans cette vidéo ensemble pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir remarquer tout simplement. Donc on est parti pour pouvoir tout simplement les gars relooker ce fameux teasing. Donc ce fameux teasing, vous pourrez le retrouver comme je l'expliquais sur le site, enfin sur le Twitter officiel de Rockstar. Vous pourrez aller le checker, il dure environ 11 secondes les gars, et on va quelques indices sur cette fameuse nouvelle extension, nouvelle map qui va arriver. Donc voilà les gars, donc je suis super hype. Donc là voici, donc vous voyez bien qu'il est mis El Rubio dossier. Donc là c'est très rapide les gars, ça dure 11 secondes. On va justement revoir ça ensemble. Donc c'est parti, regardez bien. El Rubio dossier qu'il a mis. Donc c'est peut-être le nom du braquage ou le nom de la personne qu'on va devoir braquer ou aider, on ne sait pas encore. El Rubio dossier, vous voyez bien que ça charge. Et regardez, la première image qu'on voit les gars, c'est une tour de garde. Après on voit un gros village, une grande plaine qui ressemble à peu près à Blaine Country. Et là on voit un corps mort sur la plage qui s'appelle, d'après le petit teasing, John Doe. Donc les gars, si vous allez maintenant sur GTA 5 Online dans une session online, vous verrez qu'à la plage il y a bien un corps qui est complètement couché à terre et c'est ce fameux John Doe. Donc, en tout cas c'est ce qui nous a mis dans le teasing. On va revoir ce teasing encore une fois et on va checker. Donc vous voyez bien qu'il est mis El Rubio dossier et qu'il est en train de charger les gars. Donc c'est peut-être El Rubio, ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qu'on va braquer, ça peut être une personne qu'on va aider, ça encore une fois on n'en sait rien. Donc voilà, là on voit bien que ça charge. Ça sera peut-être le nom du braquage d'ailleurs, on ne sait pas. Donc la première chose qu'on voit les gars, c'est une tour de garde. Une tour de garde, un grand village. Et la première chose c'est qu'une tour de garde les gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'île est probablement très très surveillée, vraiment en grande sécurité. Donc pourquoi pas, peut-être que l'île sera tout simplement le nouveau lieu du braquage. Après on voit les gars qu'il y a un grand village qui est peut-être simplement la demeure du fameux El Rubio, peut-être. Ou peut-être que c'est la demeure de quelqu'un d'autre, de peut-être de la personne qui est morte sur la plage, on ne sait pas. Et on voit que ce fameux village est sur une falaise. Retournez un peu en arrière, vous allez voir qu'il est sur une fameuse falaise les gars. Donc ça on essaie un petit peu d'analyser ensemble. Après on voit une grande plaine qui ressemble à Blaine Country de la map qui est déjà présente sur GTA 5 Online. Et après on voit un homme qui est mort les gars. Donc voilà. D'après les images les gars, on peut déjà voir tout simplement que ce sera probablement une île tropicale. Étant donné qu'on voit beaucoup de baobabs, on voit beaucoup d'oasis sur ces fameuses images. On voit tout simplement qu'il y a un poste de garde. Je le répète une troisième fois les gars, mais ça veut dire que ce sera une île fortement sécurisée. Un grand village, une grande plaine où on pourra peut-être faire des missions du braquage. Voilà, c'est pas sûr que le braquage les gars il sera sur cette île, mais ça pourrait être une des solutions. Voilà, on voit aussi à la fin que la personne qui est morte, il l'analyse comme pour s'appeler John Doe. John Doe c'est quoi les gars, pour celui qui voudrait faire quelques recherches? John Doe en fait c'est une série télévisée qui a été diffusée entre 2002 et 2003. Et le synopsis, ça veut dire le résumé de cette fameuse série télévisée, c'est ça. Un homme se réveille sur une île au large de Seattle, complètement nu, victime d'amnésie, il est incapable de dire qui il est. Cependant il semble doté d'une culture générale absolument infaillible, un pouvoir qui ne s'explique pas et qui le dépasse. En effet, John Doe connaît tout ce qui est humainement possible.
possible de connaître, sauf son passé. Bien décidé à trouver des réponses de son identité, il décide de mener son enquête tout en aidant les gens dans le besoin sur sa route. Mais dans l'ombre, une mystérieuse organisation le surveille et le manipule. Donc les gars, c'est un synopsis qui voudrait dire forcément que ce fameux John Doe, il va avoir une fameuse importance dans probablement le braquage, en tout cas l'histoire qui va se passer par rapport à ce DLC. C'est pas sûr les gars, ça reste un synopsis d'une simple série télévisée, mais c'est bizarre que cette personne s'appelle... tout bonnement la même chose qu'une série télévisée. Voilà, on espère, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette petite teasing, les gars, qui a l'air vachement stylée. Donc on y remarque vraiment, les gars, que ce sera de toute façon une extension de map fortement sécurisée, très grande d'après les images qu'on voit, tout simplement. Ça va vachement être cool. Je vous remets encore une fois ce fameux El Rubio que vous voyez là, donc ce fameux teasing. C'était Fries, prenez cette volatine comme d'habitude. Allez, bye tout le monde.